Depuis quelques épisodes maintenant, nous vous parlons de l'indépendance financière. Dans l'épisode précédent, nous vous avons parlé de la première semence que Dieu nous a donnée, la parole. Et nous allons dans cet épisode vous montrer pourquoi dans le temps, chez certaines personnes, ça marche et chez d'autres, ça ne marche pas. Vous êtes en train de regarder l'émission Pendule à l'heure. Je suis le pasteur Alain Patrick et je suis avec des vétérans du ministère ACER. Pasteur Isaac, bonjour. Bonjour, apôtre. Bonjour, pasteur Darius. Bonjour, apôtre. Et notre invité, le pasteur Gildas, bonjour. Bonjour, apôtre. Et le pasteur Gentil. Bonjour, apôtre. Nous étions donc en train de dire dans l'épisode précédent, pour ceux qui nous ont suivis dans l'épisode précédent, qu'il y a un temps pour la semence, il y a la semence et il y a un temps, puis la récolte. Et beaucoup de chrétiens échouent lorsque le temps de l'épreuve de leur semence arrive, ou le temps où la semence est en train de grandir ou mijoter arrive. Et on va parler de ça pendant tout cet épisode. On va un peu casser la coutume, on va peut-être donner la parole au pasteur Gentil et puis on va monter. Hein? Pasteur Gildas ne tombera pas dans le piège de l'émission précédente. Hein? Tu vas tout donner encore. Tu vas tout donner. En tout cas, merci beaucoup, apôtre, pour l'opportunité. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu lui-même est le premier applicateur de ce principe-là de la parole. Durant toute la Bible, il va parler de Jésus. Ésaïe va nous parler de Jésus. David nous parle de Jésus. Zacharie, ainsi de suite. En fait, on se rend compte que durant toute la Bible, en fait, Dieu parle de Jésus. Donc, il maintient sa confession concernant la venue de son fils et concernant ce qui va se passer avec Jésus. Donc, je pense qu'il nous a montré le parfait exemple et que nous, en tant que chrétiens, c'est comme ça que nous devons fonctionner, maintenir la confession afin de voir l'exaucement de cette confession. Amen, amen. Effectivement, cette parole est... la Bible dit la parole de Dieu est près de toi, près de ton cœur, près de ta bouche. Et la Bible va aussi dire dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc c'est vrai que déclarer des choses, on ne se rend pas compte, mais les chrétiens vont souvent déclarer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer leur semence. C'est vrai. Quand tu dis mais je n'ai pas, il y a une opportunité de semence, il y a une campagne, tu dis je n'ai pas, je n'ai rien, je ne peux pas, en fait tu es en train de, même le peu, et le Seigneur Jésus le dit très clairement, il dit on donnera à celui qui a et donc qui parle qui dit qu'il a et on ôtera même le peu. Celui qui dit voilà, c'est ça, celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui n'a pas. Voilà, donc je me réserve pour la suite. Ah ben oui, non, mais réserve-toi parce que... Merci beaucoup, apôtre, pour l'opportunité. Merci pour la grâce de pouvoir participer à cette émission Pendule à l'heure. À l'air. Oh là là. Pendule à l'air. Pendule à l'heure. Alléluia. Je pense vraiment que cette émission va être vraiment bénissante parce que nous allons comprendre comment écrire son histoire, voir ce que nous voulons en fait. Parce que vraiment tout est basé sur notre déclaration. Nous sommes des fils de Dieu. Si nous sommes les fils de Dieu, notre Dieu est un créateur. Et donc si nous fonctionnons comme lui, nous devons voir comment il a créé son environnement, le monde dans lequel nous habitons. Il l'a créé par la parole. Et donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre dans le fait de déclarer les choses pour créer le monde que nous voulons avoir en fait. Parce que je pense que on ne le voit pas souvent, mais quand Dieu va créer le jardin d'Éden, c'est en déclarant. Mais lorsque Adam, lorsqu'il va venir pour entretenir le jardin, il fallait aussi une partie de déclaration. Il déclarait, voilà. il a déclaré parce qu'il a nommé en fait. Ça fait partie de ça, en fait. C'est ça. Le pouvoir de nomination. Je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on doit beaucoup plus développer cette facette de notre divinité. Pour que nous puissions vivre dans le monde que Dieu voudrait qu'on puisse vivre. Merci encore une fois, apôtre, pour l'opportunité d'être dans cette émission. Je pense que la question, c'est ton, pourquoi... Ton merci est très menaçant. Merci menaçant. Dis, tu reçois ça maintenant. tu les as fait tous passer. Et moi, je fais une merci pour l'opportunité. C'est joli, hein. C'est clair. Je pense que la question, c'est pourquoi... La question, c'est pourquoi, on va dire, mais pourquoi la semence se perd un peu dans le temps quand on est semé. Je pense que c'est parce que certaines personnes ne réalisent pas que
la parole est l'eau qui arrose la semence. Je pense que quand on sème, on doit arroser la semence pour qu'elle puisse germiner. Et le pasteur Judas a parlé des gens qui vont parler négativement. D'autres vont peut-être attendre longtemps parce qu'ils sèment. C'est parce qu'il a dit germiner. Tu as fait. Oh frère, il veut faire tomber ça sur moi. En fait, tu as dit, pour qu'elle puisse germiner, fais ça. C'est la germination. Et c'est la germination. Ça germe, la germination. C'est quoi ça, la germination? La germination, c'est le fait que ça germe. Mais c'est pas le verbe germiner. Vas-y, mon père. Continue. Moi, je regarde leur tête là quand elle parle. Un nouveau verbe. Permettez-moi le néologisme. Voilà. Donc, c'est bon que la semence perd parce que certaines personnes, effectivement, vont parler, comme le pasteur Judas a dit, vont parler négativement. Du coup, c'est comme mettre un peu de l'acide sur sa semence. Du coup, la semence se détruit. Et puis d'autres ne vont pas parler positivement, ne vont pas confesser, comme le pasteur David vient de le dire, ne vont pas confesser. N'oublions pas que la parole est de l'eau, en fait. Donc, il faut arroser pour faciliter la germination. Donc, voilà un peu un élément de réponse. Parce que beaucoup échouent au niveau de ce temps-là, en fait. Ouais, je disais que, vous savez, quand vous avez développé votre foi et vous avez développé de la puissance dans vos paroles, ça va arriver en fait que vos paroles s'accomplissent instantanément. Wow. Mais il y a un processus en fait. Il y a un processus. Nous ne disons pas que Dieu ne peut pas amener quelqu'un à la dimension où il déclare et ça se produit instantanément. Il ne fallait pas attendre 20 ans pour que la tempête puisse se calmer. Quand Jésus a dit à la tempête du calme. C'est le temps de l'accomplissement. Il serait déjà mort, vous voyez. Donc, ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. Nous sommes juste en train de dire que, en fait, il y a des paroles qui vont répondre au principe du cycle et des saisons. Au principe du temps, en fait. C'est ce que vous comprenez. Parce que les principes sont liés entre eux, en fait. Le principe de la semence est lié au principe des cycles et des saisons aussi. Donc, il y a du temps dessus et c'est important de comprendre. Quand l'ange a dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, l'ange a libéré la parole, mais 9 mois se sont écoulés avant que Marie n'en enfante le fils. Parce que dans ce cas-là, il fallait 9 mois en fait. Donc ça, c'est... pendant cette période-là, moi, je crois, Marie a eu la bonne attitude. Et l'une des bonnes attitudes qu'elle a eues, c'est de fréquenter des personnes qui ont cru. Amen, vous voyez, parce que le premier réflexe qu'elle a eu, c'est aller voir Élisabeth qui croyait en ces choses-là et qui allait s'édifier avec elle. Amen, ces choses-là. Continuer de confesser. Parce que dès qu'elle se rencontre, Élisabeth proclame encore. Que me vaut la visite de la mère de mon Seigneur? Voilà. Elle a encore confessé. Et la Bible nous dit, mon juste par la foi vivra. Ça veut dire que ce n'est qu'une vie où on déclare des paroles de foi. On déclare des paroles de foi. Et quand on ne parle pas la foi, si le contraire de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Donc le truc, c'est qu'elle a veillé à fréquenter des bonnes personnes. Attends, vous imaginez un peu, vous venez voir quelqu'un, vous lui dites, non, un ange m'est apparu et il m'a dit que je vais tomber enceinte. En fait, je ne vais pas coucher avec Joseph. Je vais pas coucher avec Joseph. Mais il m'a dit que je vais tomber enceinte et je vais mettre au monde un enfant appelé le Messie. Si vous allez fréquenter des mauvaises personnes qui ne croient pas en la puissance surnaturelle de Dieu, vous imaginez ce qu'elle peut vous dire, en fait. Vous voyez un peu. Et comment est-ce que ce que l'ange a dit, soit va être retardé, soit peut même être avorté. Bien sûr. Mais justement, on voit comment le père de Jean-Baptiste, en fait, l'ange va le faire taire, en fait, parce qu'il déclarait des paroles négatives à l'encontre de ce que l'ange venait de dire. Il avait beau l'expliquer, là, tu dis, ouais, mais bon, mais comment ça va se faire? Je ne comprends pas. Et du coup, l'ange lui a dit qu'il ne parlera plus jusqu'à la naissance. Jusqu'à l'accomplissement. Parce qu'il ne fallait pas qu'il bloque la naissance de celui qui allait annoncer le chemin du Seigneur, la venue du Seigneur. Et donc, je pense que c'est important de comprendre que la déclaration a une puissance extraordinaire. Même Dieu, des fois, ça rappelle encore l'histoire de la tour de Babel. Lorsqu'on en parlait,
au Prime, on disait en fait que ils avaient décidé d'avoir le même langage, ouais, d'avoir une même vision, mmh, et ouais, Dieu devait venir les arrêter, mmh, en confondant le langage, mmh, ouais, en les empêchant de parler, de déclarer. C'était la même chose. Ça, en fait, c'était la révélation du pasteur Isaac. Mmh, hein. Ouais, non, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Mais ouais, parce qu'il avait bien mijoté. Parce qu'il avait bien mijoté sur cette révélation. Il a pris le temps de mijoter. Le gars, il prend ta révélation, il commence à la faire. C'était la sienne. Et il n'est pas me citer dans la. Et il t'a même pas regardé. Et il t'a même pas regardé. Il t'a lâché la parole avant. Il t'a même pas lâché la parole. Non, il avait mijoté pour cette révélation. Donc, il cite l'auteur. Hein? Donc voilà. Comme l'a dit Pasteur Isaac. D'où les. Enfin, je vais peut-être. D'où les problèmes qu'on fait quand même pour mettre ceux qui s'aiment dans des bonnes conditions. Dans la bonne atmosphère. Bonne atmosphère. C'est ça. Je pense c'est pour ça vraiment ceux qui s'aiment, qui doivent vraiment continuer à écouter des messages qui vont dans le sens de la germination, de la prospérité, les messages de foi pour protéger. Et pour moi, il a dit quelque chose de remarquable. C'est que la bouche de Jean-Baptiste a été fermée pour qu'il ne dise pas des choses négatives, pour protéger le bébé qui est dans le ventre. Donc on voit vraiment que c'est important de maintenir le langage de la foi. Amen. Le pasteur Gildas disait quelque chose de très pertinent parce qu'il faut que je cite. Là, maintenant, il faut citer. Il faut citer l'auteur. C'est de très pertinent en off. Lorsque Jésus revient du désert et que la Bible va dire sa renommée s'étendit, le pasteur Gildas expliquait que le mot renommée qu'il a regardé là, ça veut dire son sang. C'était ça, hein, c'était ça, son sang. Ça veut dire que lorsqu'il parlait, son sang retentissait. Yes. Ça veut dire que lorsque je passe du temps dans la présence de Dieu, que je respecte certains principes, il est normal que l'écho de ma voix puisse retentir. Oh, c'est pas possible en fait que je puisse parler et que les événements ne puissent pas s'aligner. La confession répond à la foi, mais elle répond aussi à la profondeur de notre intimité. C'est très souvent, on ne comprend pas ça en fait. C'est que le niveau de profondeur dans lequel on va n'est pas le même. Ça dépend de comment on creuse. Ça veut dire que plus je creuse, plus je vais dans l'intimité, il y a même des mystères que je vais réussir à déceler qui vont me permettre de parler même d'une certaine façon. Parce qu'on parle de confession et de déclaration. Tout dépend de ce que tu déclares. En fonction de la profondeur dans laquelle tu vas, tu ne peux pas déclarer la même chose. Exactement. Et la dernière fois, tu nous expliquais ça dimanche, tu disais que par rapport au pardon, il y a certaines personnes qui vont dire « Non, Seigneur, je te demande pardon. Merci, Seigneur. » Mais il y a certaines personnes qui vont dire « Je reçois ton pardon. » En fait, la façon de se positionner n'est pas la même. La révélation, que, quoi. Le niveau de révélation. Jésus est là, il doit multiplier les pains. Il ne va pas dire « Seigneur, merci de multiplier les pains. » Il dit « Je te rends grâce. » C'est-à-dire qu'il a même sauté l'étape où on demande. Il arrive déjà à l'étape où il rend grâce. Ça veut dire que même la confession, en fonction de notre niveau spirituel, n'est pas... Mais ce que tu dis est profond, parce que la profondeur de notre intimité avec Dieu va donner véritablement de la puissance à nos paroles. Parce que quand Moïse rencontre Dieu pour la première fois, Moïse dit à Dieu presque, il dit presque, je paraphrase, qu'il ne sait pas parler en fait. C'est pour ça que Dieu va envoyer Aaron à ses côtés. Vous suivez? Mais c'est quand même étonnant que vers la fin du ministère de Jésus, de Moïse, on dit que Moïse était puissant en parole et en action. Yes, en parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait la différence? L'intimité avec Dieu, en fait. L'intimité avec Dieu. Et beaucoup de chrétiens, leur parole met du temps à s'accomplir parce qu'en fait, parfois, leur intimité avec Dieu n'est pas assez profonde. En fait. Effectivement, est-ce qu'on peut dire... On va peut-être lui donner parce que je te dis, il risque de nous laisser tous parler. C'est notre invité aussi. Voilà, c'est notre invité. C'est effectivement, je, par rapport à ce qui a été dit, on a rebondi sur cette histoire d'intimité et également sur le fait que l'ange frappe de mutisme Zacharie. Et on voit que c'est le même ange, l'ange Gabriel, qui à l'intervalle de 3 mois va voir et Zacharie et Marie. On va voir que Marie va poser une question. L'ange ne va pas la frapper. C'est l'apôtre Alain Patrick qui nous enseigne ça. Zacharie va poser une question. L'ange va le frapper. Pourquoi l'ange va frapper Zacharie? Parce que déjà, il manifeste de l'incrédulité. Mais aussi parce qu'il a une grande autorité. Parce que c'est quelqu'un qui passe du temps dans la présence de Dieu. Et que lui, s'il parle, ça peut bloquer les choses. Et les chrétiens, des fois, qui ont un certain niveau, des fois des responsables de réseau, des douze,
des responsables de GR qui ont une autorité, ouais, vont se permettre de mal parler, et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est pour ça que c'est terrible lorsque ce sont ces personnes-là qui parlent un langage négatif au sujet de l'Église et ce qui se passe. Non, l'Église n'avance pas. Non, ceci n'avance pas. Non, ceci, cela. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, j'aime pas travailler avec ce genre de personnes. Je préfère travailler avec deux personnes qui sont pleines de foi que de travailler avec 50 personnes qui parlent un langage comme ça, mais ce n'est qu'une parenthèse. Mais c'est pour ça que Jésus, justement, excuse-moi, pasteur Bizet, en fait, Jésus va rétablir la vérité par rapport à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste va commencer à se poser pas mal de questions. Et Jésus va dire, il ne faut pas que son image soit entachée. Pour que vous sachiez qui il est réellement, en fait, il rétablit le contexte. Et il va même dire, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'il restitue le contexte. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de son autorité, comme disait le pasteur Gildas, il ne fallait pas qu'on puisse maintenant mal le voir. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a marqué sa génération. C'est important de comprendre que l'autorité ou la position a un lien avec l'impact et l'influence. Donc je ne peux pas me permettre de parler d'une certaine façon alors que je suis censé avoir un certain impact. Et c'est pour ça que Dieu, même lorsqu'on va pécher, il ne va pas mal parler de nous. Parce qu'il va toujours avoir foi en nous. C'est pour ça que la Bible va dire, ayez le même type de foi que Dieu. Mais quel est le type de foi que Dieu ? Lorsque l'homme va pécher, Dieu continue à avoir toujours de l'espoir en l'homme. Dieu continue toujours à voir l'homme comme celui qui est fait à son image. Pourquoi ? Parce que c'est ça la foi. C'est que je dois même, les personnes qui sont en dessous de moi, parler d'une certaine façon. Tu es quel type de responsable ? Tes brebis sont en train de commettre des erreurs. Tu es là, oui, mais ils commettent tout le temps des erreurs. C'est un problème. Il ne sert à rien. Tu ne peux pas parler comme ça. Jésus ne va pas tout le temps. Durant le ministère de Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, Jésus ne va pas tout le temps dire arrière de moi Satan. Ce n'est pas tout le ministère, c'est un moment précis qui le reprend. Mais ce n'est pas tout le temps, parce que la parole est très importante. C'est vrai. Cette affaire de position dans le royaume est quand même importante. Je pense que c'est important quand on discerne la position qu'on a en Christ dans le royaume, de faire attention à ces paroles. Parce que non seulement on a un type d'ange qui nous accompagne, mais il y a aussi l'autre côté, l'apôtre le dit souvent, en fonction de notre position, il y a un type d'identité satanique, diabolique, qui vont rôder autour de nous. Donc si on parle négativement, mais ces entités-là vont facilement, rapidement, exaucer en quelque sorte les paroles négatives qui vont sortir de notre bouche. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu va fermer la bouche de Zacharie. Je pense qu'une fois, tu nous l'avais enseigné pour restituer les choses, que en fait, nos paroles sont des choses, en fait. Et les anges ont besoin de ces choses pour pouvoir opérer, en fait. Non seulement les anges, mais toute entité spirituelle, en fin de compte. Du coup, c'est important vraiment de pouvoir faire attention, comme disait le pasteur Isaac, de comprendre le rang que nous avons pour que... Merci pour la passe D. C'était une passe D. Donc, du coup, en fait, de faire attention, en fait, aux paroles que nous libérons, parce que des fois, c'est nous-mêmes qui ouvrons des portes à des mauvaises entités dans nos vies. Sous prétexte qu'on est énervé, sous prétexte que c'est une situation difficile ou qu'on est stressé, ou bien qu'on se sent pas bien. Et on va pas se rendre compte que c'est nous-mêmes qui avons ouvert des portes bizarres dans nos vies. Donc, pour annuler cela, il va falloir que nous-mêmes encore, nous puissions déclarer le contraire. C'est ça. Parce que nous-mêmes, nous sommes mis dans une situation. Et je me rends compte que c'est ce que le diable essaie de faire, en fait. C'est-à-dire que provoquer des situations bizarres autour de nous pour nous pousser à déclarer. C'est ça. Bien sûr, des choses négatives. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire sur la confession. Oui. Parce que le monde dans lequel nous sommes a été créé par la parole. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. C'est ça. Il y a le fait de maintenir sa confession. Il y a le fait de visualiser avant de confesser. C'est ce que Dieu va faire avec Abraham. Dieu va le pousser à visualiser, à renouveler son intelligence. Parce que tu ne peux pas confesser quelque chose avec laquelle ton intelligence ce n'est pas en accord. Parce que très souvent, on fait déclarer des choses aux gens, mais c'est important de faire réaliser aux gens ce qu'ils sont en train de déclarer. C'est vrai. Parce que moi, souvent, j'ai réalisé que quand on dit aux gens déclarer, je suis fort, mais est-ce qu'il est en train de réaliser pendant qu'il déclare je suis riche, que le fait dit je suis riche, c'est une des paroles incroyables. Ça veut dire que le pauvre est conscient de sa condition physique, mais il doit se détacher de sa condition physique pour déclarer quelque chose de contraire
contraire à tout ce qu'il est en train de voir. Amen, amen. Je suis riche. Yes. Et à un niveau de déclaration, même pendant que tu déclares, tu vis maintenant ce que tu déclares. C'est-à-dire que physiquement, ton corps te dit non, c'est pas ça, mais ton esprit te dit tu es dans cette réalité. Amen. C'est même là où le miracle commence, parce que ça me fait penser aux à la personne qui était à la piscine de Bethesda, qui était malade depuis 38 ans. Le Seigneur Jésus va y changer, mais après, il va lui dire prends ton lit, Tanate, lève-toi. Ouais. Mais attends, sur la base de quoi la personne va se dire je vais me lever. Elle va prendre la décision de dire je me lève, et à partir du moment où elle a décidé de se lever, là le miracle va s'opérer. Je pense vraiment qu'on doit comprendre que l'action correspondant au miracle que nous voulons, des fois c'est le fait de se visualiser et d'oser croire que cette fois-ci la chose qu'on n'attend pas va se dérouler. C'est-à-dire que tu dois parler croyant, comme il disait, le pauvre doit dire qu'il est riche, alors qu'il ne sait même pas comment le riche fonctionne, ni comment il pense, mais il doit décider de dire je suis riche. Amen. Alors tout son environnement va se mettre en accord avec sa parole. On est quand même en train de parler de la confession en rapport avec la semence, avec les finances, parce qu'on est en train de vous dire que lorsqu'on vous parle de semer et de moissonner, vous ne devez jamais dire je n'ai rien. Amen. Parce que déjà, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que si vous avez la parole, si vous parlez, vous avez le matériau créateur. Donc, tu ne peux pas dire je n'ai rien. Parce que cette phrase-là va créer le néant. C'est ça. Parce que la parole, c'est le matériau créateur. Parce que c'est le matériau créateur. Donc, dès que tu dis je n'ai rien, tu crées le néant, en fait. Est-ce que vous voyez? Apôtre, ce que tu dis est vraiment dramatique. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ça veut dire que tu es là, tu es peut-être à découvert, tu es peut-être à moins je ne sais pas combien, mais quand tu dis que tu n'as rien, en fait, tu attires encore à aller dans les moisissures. Tu t'enfonces encore plus. C'est dommage. Et c'est pour ça que certains, c'est pour ça que, en fait, beaucoup, le problème, c'est qu'ils marchent par la vue pour pouvoir confesser, en fait. Et cela, vous allez remarquer que parfois, Dieu va utiliser comme de la violence physique pour pouvoir pousser certains personnages bibliques à regarder par la foi et les yeux spirituels. Amen, amen. Regardez, à Zacharie, il va boucler sa bouche. À Paul, Saul, qui était très cérébral, très très cérébral, il va l'aveugler. Et pendant plusieurs jours, le gars ne verra qu'avec ses yeux spirituels. Quelque chose va se passer. Dieu voulait déclencher quelque chose. Dire à ce monsieur, en fait, qu'en fait, le monde que tu vois là, c'est pas lui là la réalité. Je veux faire de toi un puissant homme de foi. Tu vas et le Seigneur s'était projeté déjà, je pense, à l'écriture du livre d'Hébreu. Moi, je crois sérieusement que c'est Paul qui écrit le livre d'Hébreu. Je vais tellement t'aveugler spirituellement que tu vas écrire Hébreu chapitre 11 et tu vas comprendre c'est quoi la foi véritablement. Parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à déclarer parce qu'ils voient. Ils regardent son compte, ils disent « je n'ai rien ». Est-ce que vous voyez? Alors que dans le monde spirituel, la Bible dit qu'il a été béni de toutes sortes de bénédictions. Voilà, et ça c'est... Et d'autres pensent même que ce qu'ils ont en banque, c'est tout ce qu'ils ont. Et oui. Ils pensent que tout ce qu'ils ont, parce que ça aussi, ça peut nous limiter. Parce qu'on vient, on parlait de l'espérance de Jésus qui va multiplier les pas. Il avait un trésorier, il avait 200 deniers. Quand un besoin se présente, on voit qu'il n'utilise pas ces 200 deniers. Parce qu'on pense que tout c'est ce qu'on a en banque, c'est tout ce qu'on a. On a bien plus. D'où ce que l'apôtre est en train de dire, il faut vraiment qu'on soit dans une certaine mentalité. On doit vraiment être conscient de notre identité. C'est vrai. Vraiment, notre identité. Et je veux peut-être ajouter par rapport à la foi, la parole, c'est pas parce que on en parlait un peu entre les deux émissions. Proverbe qui dit que Proverbe parle de la sagesse, la sagesse se personnifie. Yes. Dit que Dieu m'a vu au commencement de la création, avant le premier atome de la poussière. Wow. Donc on ne doit pas parler négativement, parce que franchement, la création nous entend, la création a des oreilles, la création a une certaine intelligence. Donc nos paroles peuvent créer ce que nous avons, parce que le premier atome qui existe, c'est l'atome de la parole. Et tu vois, pour que mon idée ne disparaisse pas, en fait, certains chrétiens, en fait, qui regardent leur compte et disent « je n'ai rien » parce qu'ils voient c'est écrit « moins 300 » ou « moins 1000 », en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils ont la foi, mais la foi qu'ils ont produit juste les effets inverses. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Parce que... Non, mais vous allez voir. Ça ne fait que produire des effets inverses. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vérité, certains
vont penser qu'ils ont l'argent parce qu'ils l'ont physiquement. Vous comprenez ça? Ils ont plus, certains ont plus confiance en la monnaie fiduciaire, c'est ça? C'est-à-dire le physique. Vous comprenez? Les chrétiens qui vous disent « je n'ai rien », vous comprenez? En fait, ils ont moins, parfois certains ont moins confiance à la monnaie fiduciaire qu'en la monnaie scripturale. Ils ont confiance à la monnaie scripturale. Mais la monnaie scripturale, c'est quoi? Ce sont des écrits. Est-ce que vous comprenez? C'est juste des écrits, en fait. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est aussi des écrits. C'est aussi des écrits. Tu ne peux pas avoir foi en des écrits et tu n'as pas foi en ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous voyez. Et après, c'est une question de compte. Tu peux avoir un compte où c'est marqué 1 million et tu peux avoir un compte où c'est marqué moins 1000. Mais les deux sont écrits. Et il suffit juste de faire le transfert. Donc, si c'est écrit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions célestes et spirituelles, et que à un autre côté c'est écrit moins 1000, il faut que tu déclares juste pour faire le transfert. Parce que les deux c'est les écrits. L'apôtre, ça me rappelle vraiment le témoignage d'un homme de Dieu mais que tu aimes bien, que tu connais bien, qui était, qui a fait peut-être 5 pans ou 2 pans dans son compte et puis ses collaborateurs après un culte du dimanche sont allés à la maison. Il dit mais là, est-ce que je peux peut-être décréter le jeûne? Il est sorti finalement, il a dit à sa femme, mets l'eau, bouillis l'eau, en tout cas on va manger aujourd'hui. Il est sorti avec sa carte bancaire. Quand tu as 2 euros, ben, tu ne peux pas retirer. Tu commences à retirer par 10 ou 20. Mais il va, il n'a même pas 5 euros, 2 euros. Donc il va devant les guichets avec sa carte. Et on va manger aujourd'hui. Il met la carte, il parle. Il met la carte et moi, ça ne marche pas. Il n'y a que derrière. Il n'a rien dans son compte. Tu comprends? C'est-à-dire les écritures étaient très claires. Tu comprends? Il va chez le distributeur refuse. Le distributeur refuse. Il dit, toi, tu es rebelle. Il prend la carte, il va dans un autre distributeur. Il introduit la carte, il parle. Tu comprends ça? Le distributeur sort l'argent. Donc, quand le distributeur sort l'argent, quand il prend l'argent, il va vérifier maintenant son compte. Entre le moment où il a parlé au premier distributeur et au deuxième distributeur, il y a eu un virement. Donc, le transfert entre ce qui est écrit dans la parole et ce qu'il y a dans la banque en ligne, c'est la parole qui va. Il y a des ondes, C'est vrai que dans les banques, en réalité, c'est juste qu'on retient ton nom et comme tu as mis ton argent, ils disent, bon, lui, on va marquer 1000. C'est des écritures. C'est juste des écritures. C'est pas des billets. C'est pas des billets. C'est vrai, et on se rend pas compte qu'à chaque fois qu'on donne l'argent, tout de suite, ils le prennent, le mettent en bourse. Mais il y a rien. Et c'est pour ça, des fois, même quand on met beaucoup d'argent, ils veulent pas qu'on retire beaucoup. Parce qu'il n'y a pas. Ils ont pas le temps d'aller récolter à 300 avant de te donner. Ils refusent. Ils font tout pour bloquer, en fait. Et c'est là où on doit comprendre que, comme tu dis, Apôtre, on a déjà la foi. On a la foi pour ça. Parce qu'on croit à quelque chose qui n'existe pas. C'est ça. Qui est juste écrit. Qui est basé sur les écritures. Des écritures. Tu crois que tu as l'argent, mais qu'est-ce qui te dit que tu as l'argent? C'est écrit. C'est écrit. Et après, quand on te dit que tu ne dois pas dire que tu n'as pas, tu dis quoi, en fait? Tu crois en les écritures sur ma banque. Pourquoi tu ne crois pas en les écritures sur la parole de Dieu? Mais tu peux même changer ce que tu vois. Tu vois moins 1000, tu peux rajouter le plus de 1000. Ça me rappelle justement une histoire. Et c'est une personne qui s'est dit, en fait, elle était endettée, mais c'était un acteur. Elle a pris un chèque. Elle a écrit le montant. Parce que même sur un chèque, c'est quoi? C'est des écritures encore. Il a écrit le montant qu'il voulait. Le film d'après, qu'il a eu un casting, il a gagné exactement le même montant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons décider d'écrire ce que nous voulons. Nous devons décider d'écrire parce que l'écriture, ce que nous écrivons, si nous y croyons, ça va apparaître. Ça va apparaître. Et donc, comme tu dis, nous devons décider d'écrire, mais nous devons surtout décider de croire. Comme nous dit l'apôtre, ce sont tous des écritures. Là-bas, c'est écrit moins 100, c'est écrit moins 1000. Il n'y a pas un billet de moins 10 euros quelque part. Donc, c'est une écriture. C'est une écriture.
c'est oui, jamais un billet de moins de 10 euros. C'est une écriture. Mmh. Tu dois croire. La parole de Dieu nous dit, regardez, nous connaissons ce passage, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur. Yes. Donc, le problème des fois de ceux qui déclarent, mais qui ne voient pas, c'est qu'ils ne croient pas. Et l'apôtre nous a toujours donné une clé. Il dit, il faut déclarer deux fois. Il faut déclarer deux fois. Ça veut dire, tu déclares la première fois, tu n'as pas bien cru, tu déclares une deuxième fois. Est-ce que la première fois que tu vas déclarer, toi-même, ton inaman va entendre. Et ça va susciter la foi dans ton propre cœur. Parce que toi-même, tu vas t'entendre dire, non, j'ai 10 000 euros. Toi-même, quand tu t'entends, mais tu parles de quoi en fait? Mais le fait que tu as entendu ça, ça réveille quand même une certaine motivation. Mais j'ai quand même réussi à dire que j'ai 10 000 euros. Disons-le encore avec plus de conviction. J'ai 10 000 euros. Tu le dis encore. Et là, tu sens le Saint-Esprit. Et là, tu insistes. Mais là, ça me fait penser à ce que l'apôtre a souvent l'habitude de nous enseigner par rapport à Ésaü. C'est-à-dire qu'il ne reste plus de bénédiction. Le père lui laisse juste la parole. Et quand il rencontre Jacob, il est autant riche que Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est même plus riche. C'est-à-dire qu'il avait juste la parole. Il s'est dit, avec cette seule parole-là, toutes les bénédictions que mon frère a eues, je vais rattraper ça. C'est-à-dire que ce que je pense avoir perdu, en réalité, je ne l'ai pas perdu. Parce que quand j'ai la parole, on peut bénir quelqu'un. C'est-à-dire, on vient, on prie pour quelqu'un, on dit non, je déclare ça, ça, ça sur ta vie. Mais on te donne juste une parole, juste une promesse. Juste une promesse. My God. Et on se rend compte que dans la vie, en général, même comme par exemple pour parler d'Abraham, Dieu il dit, je rendrai ton nom grand. Encore une fois, le nom, c'est ce qui se déclare. C'est ça. Et même ça. Jacob, on va changer le nom. Tout le temps. Tout le temps. T'appelles pas ton nom, pas ta nom. C'est ça. Et c'est, en fait, on fait en sorte que c'est la déclaration. Dieu bénit par la déclaration. Amen. Il dit, je te bénis. Il dit pas, je te ramène l'argent. Il dit, je te bénis. C'est parce qu'il t'a béni, parce qu'il a déclaré. Alors les choses viennent. Et on doit comprendre, en fait, que notre vie dépend de ce que nous avons déclaré. Si nous déclarons les choses, en fait, le monde autour va s'aligner sur notre déclaration. Et j'aime ce que le Seigneur Jésus va donner. Je pense vraiment que c'est une loi. Dans Marc 11, 23, il va dire, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En fait, tu dois nommer, tu dois identifier, tu dois préciser. C'est vraiment quelque chose de très chirurgical, en fait. Tu dois nommer, identifier et ordonner la chose à faire ce que tu veux avec précision, tout en y croyant dans son cœur, en fait. Et c'est là où tu verras la chose s'accomplir. Et je pense qu'on doit comprendre que notre vie dépend de notre bouche. Mais le pasteur Darius s'est parlé de Jacob. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est lorsque l'ange va se battre avec, va lutter avec Jacob, Jacob va demander une bénédiction et dit, tu ne partiras pas sans que tu m'aies béni. C'est ce soir-là que son nom est changé. Pourquoi l'ange ne lui dit pas, non, mais je te donne ça, ça, ça? Parce que lui dit, il veut une bénédiction. L'ange lui dit, en fait, il change son nom. Pourtant, l'ange aurait pu dire, bon, je te rends riche et tout, laisse-moi partir. Le seul changement de son nom a changé son histoire. C'est-à-dire que ce n'était pas l'argent, c'était juste son nom. Son nom, à lui tout seul, a changé radicalement son histoire. Ce qui est vraiment génial, ce qui est génial avec le fait de changer de nom et le pouvoir de la nomination, c'est qu'en fait, à chaque fois que les gens t'appellent, ils confessent à ta place. Parce que Dieu sait qu'on va t'appeler beaucoup plus que tu ne t'appelles toi-même. Non, je vais figer ça. Tu vois. Abraham, il a changé son nom. Il a dit, maintenant tout le monde va confesser. Tout le monde va confesser. Même les ennemis. Le père des multitudes. Même tes serviteurs. Oui, mais c'est le Seigneur Abraham qui a fait ça. Le père des multitudes. Partout, on parlera de toi. On confessera. On confessera. Je te dis. Même tes ennemis. En écoutant tout ça, ça me fait vraiment réaliser que en fait on peut être béni, mais si on n'a pas une vie de confession, ben on va pas jouir de cette bénédiction. On le dit, vraiment, on le dit tout le temps. On le dit tout le temps. Une émission ne peut pas passer sans qu'on dise ça aux gens. Vous savez, quand on revient tout le temps sur quelque chose, c'est que la chose est importante, c'est qu'on l'a testé, que nous-mêmes on a vu. En fait, on a vécu une vie sans confession. C'est ça. Vous suivez, non? Et on vit une vie avec confession. Je préfère celle avec confession. Je vous dis. Mais même Pierre préfère, parce que quand tous les disciples partent, Jésus leur dit, vous ne partez pas. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit,
tu as les paroles. Mais on n'a pas dit non, tu as de l'argent en compte en banque. Non, tu nous as donné ça, ça, ça. Pierre n'identifie pas autre chose, il identifie la parole. Parce qu'il l'a vu, Jésus, avec la parole, changer radicalement leur vie. Pierre va dire, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé. Mais qu'est-ce qui a remplacé tout ce qu'ils ont quitté? La parole. C'est une bonne chose, c'est la parole qui est venue remplacer, qui les a comblés à la place de tout ce qu'ils avaient quitté. Et puis même Dieu, qu'est-ce qu'il donne? Il leur envoya sa parole. Il n'aura pas envoyé la guérison. C'est la parole. La parole est suffisante pour provoquer tout ce dont on a besoin. Le problème, c'est que c'est le style de vie après maintenant. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez parlé d'une certaine façon. Vous avez pensé pendant une certaine façon. Vous devez prendre la décision de changer de style, de la façon de parler, la façon de penser, pour maintenant adopter ce qu'on vous dit là. Et c'est choquant. Mais apôtre, pendant que dès que tu as commencé ta parole, en fait, en réalité, j'ai pensé à une chose. Quand Jésus dit « Mes paroles sont esprit et vie », pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il différencie ses paroles des autres. Il dit, écoutez les gars, nous tous on parle. Mais ce que moi je dis, ce n'est pas comme ce que vous dites. Ce que je dis à la vie, my God. Et on voit quand même dans ce passage-là, il parle vraiment du réma. C'est pour ça qu'il est important d'entendre la voix de Dieu. Donc, voilà, l'intimité, c'est ce qui a fait le succès d'Abraham. Parce qu'Abraham, Abraham a persévéré. Oui, au début de l'émission, ce qui a fait en sorte que Moïse soit puissant en parole et en œuvre, l'intimité avec Dieu. Parce que quand vous allez être intime avec Dieu, vous allez recevoir des rémas, vous allez parler. Et quand vous allez parler, vous allez voir beaucoup plus de résultats. Ça va ensemble, en fait. Ça va ensemble. Et en baptême, j'en parlais avec le pasteur Gilda, c'est que c'est le Seigneur, en fait, lui, et sa parole est sur une autre fréquence. En fait, c'est une fréquence que tout l'univers va invalider. Or, comme le pasteur Gentil disait, il y en a qui parlent, il y en a d'autres qui parlent. Sauf que quand Jésus parle, tout le monde écoute. Tous les éléments, toute la création écoute. Sauf qu'il y en a, quand ils parlent, on ne capte pas leur son. Le son n'est pas capté. Et je pense que l'intimité avec Dieu fait en sorte que ça augmente, en fait, ta capacité d'influence au niveau du son. Ça fait que lorsque tu vas parler, tout entend. Tout reconnaît que, il y a Dieu qui parle. Il y a quelque chose qui parle. Alors qu'il y en a qui vont parler, personne n'entend. Et même la foi. C'est des ultrasons. Même la foi. Parce que Jésus va dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que dès le moment où tu crois, tout ce que tu vas dire, il va dire, ils imposeront les mains aux malades, et ainsi de suite. Tous ces signes-là vont venir suite à quoi? Suite à la foi. Parce que je le parle, ça va finir par se matérialiser. Ça veut dire qu'avant, tu n'avais peut-être pas cette capacité, mais maintenant que tu as la foi et que tu le parles, tu auras maintenant cette capacité. Parce que la capacité est liée à la foi. Et c'est ce dont on est en train de parler dans le domaine financier. Ma capacité financière est liée à la foi. Dieu va dire l'or et l'argent m'appartiennent. Ma capacité financière est liée à ma foi. Ça veut dire que ça ne dépend même pas de ce que je touche, ça dépend de ma foi. Aussi loin que ma foi peut voir, ça veut dire qu'aussi loin je peux avoir de l'argent. Je suis déjà millionnaire parce que, en fait, la banque me dit que je suis millionnaire, mais parce que ma foi me dit que je suis millionnaire. Une fois, le Seigneur me disait, entre tes poches qui disent que tu n'as rien et moi qui dis que tu es riche, entre moi et tes poches, c'est qui le menteur? C'est qui le menteur? C'est ça. Est-ce que c'est les poches ou c'est la parole? La parole dit que tu n'as... En fait, c'est riche, c'est même pas le mot. C'est que tu es dans l'abondance, tu ne manques rien. Tout est à toi. C'est ça. Tout est à toi. Et si tout est à toi, tu n'es plus dans le besoin de réclamer ou quoi, tu viens te servir. Amen. Quand tu vois que dans la banque, c'est marqué moi, tu dis je refuse et j'écris autre chose. Et c'est à toi d'écrire selon ta pensée et de décider d'y croire. En fait. C'est que tu le verras s'accomplir. Et quand on parle d'une vie sans besoin, pasteur Darius, est-ce que là, par exemple, il y a ce verre d'eau? Est-ce que si j'ai soif, je veux dire non, emmenez-moi un verre d'eau. Le verre d'eau est déjà là. Ça veut dire que c'est un style de vie où tout est déjà à disposition. Je n'ai plus besoin de demander quelque chose qui est déjà à disposition. Et quand Jésus va dire tout ce que vous demandez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, je pense que c'est un certain stade. Il y a un stade où tu n'as même plus besoin de demander parce que tu sais que c'est déjà à ta disposition. Non, mais c'est vrai. Pour nous, les fils de Dieu, en fait, tout est vraiment disponible. C'est pour ça que Paul va dire tout est à vous. Tout est à vous. Encore une fois, Jésus marchait comme ça. Il savait que tout était à lui sur la terre. Et c'est pour ça qu'il va même refuser lors de la tentation dans le désert. Le diable dit, tu m'adores, je te donne tout ça.
Non, il ne se rabaisse pas parce qu'il savait qu'il avait déjà tout ça. Et même toujours par une certaine façon, et même dans, lors de la multiplication des pains, il y a l'épisode que le pasteur Gentil a cité où il va rendre grâce. L'autre épisode, il va dire la bénédiction. Il était conscient qu'il était béni. Je peux nourrir 10 000 personnes. Je peux nourrir 20 000 personnes. Amen. Je suis béni. Amen. Il va dire la bénédiction. Yes, et yes. Il n'a pas regardé encore une fois ce qui était dans son compte. Il pesait plus ce qu'il avait dans son épargne. Vous voyez, il était conscient. Il ne voyait pas forcément... la difficulté des personnes qui n'arrivent pas à accéder à cette dimension, c'est qu'ils disent... Vous méprisez ma situation. Oh, ils se disent, vous parlez comme ça et vous me faites mal parce que c'est moi qui n'arrive pas à manger, c'est moi. Non. Oh là là. La foi. Plus ils parlent comme ça, plus ils s'enfoncent. Exactement. La foi. Plus ils s'enfoncent. Plus ils s'enfoncent, le pauvre. Il ne fait que compliquer sa situation. La foi ne nie pas les faits. Et j'aimerais dire à ce genre de personnes, en fait, toi qui penses qu'on te méprise, c'est toi aussi qui méprise la parole. Yes. Que Dieu te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Yes. Vous savez, la foi, il y a une dimension de la foi où c'est comme si tu vas sur un building et tu sautes. Dieu te dit, saute, je vais te rattraper. Dieu te dit, et c'est ça la foi, c'est faire confiance à Dieu. Chaque fois que nous l'avons fait, nous avons toujours vu la main de Dieu agir en notre faveur. Amen. Mais l'apôtre, je veux faire mon témoignage. Quand j'ai eu la vision, je devais avoir un CDI. C'est-à-dire, 3 jours avant, Dieu me parle, la vision s'est répétée à 2 reprises. Wow. Mais il y avait l'onction, l'Esprit de Dieu au travers, me donne l'argent comme ça. Puis 3 jours après, on m'appelle pour un CDI. J'ai compris que je devais le refuser. Mais entre quand je refuse ça, et après, quand tout ce que je suis en train de faire. Mais je ne travaillais pas. Mais j'ai vu des besoins, mes besoins être pourvus. Parce que, franchement, je suis conscient que je suis riche. Amen. Je suis conscient que quand je parle, l'argent doit être attiré. Amen. Il y a tellement de témoignages. Ben, l'apôtre, c'est un peu l'étude des frais d'avocat que j'ai eu. Mais j'ai appliqué les lois, la foi, les lois, la semence, et ainsi de suite. Mais pourvu. Donc, vous être conscient, je pense que c'est cette conscience-là qui va nous permettre de prendre certaines décisions, de faire certains choix. Encore une fois, je lisais ce matin l'histoire d'Abraham dans Hébreux 11. Comment la Bible, c'est par la foi qu'Abraham préfère l'opprobre de Christ que d'être dans les jouissances du palais de Pharaon. C'est par la foi. Ça dit, quand nous sommes conscients que nous sommes riches, ça va déterminer nos choix, les décisions qu'on va prendre. On ne peut même pas et notre attitude même. On ne pourra même pas te compromettre. Non, c'est impossible. On ne pourra même pas te compromettre. Parce que tout est à toi. Ta source n'est pas d'ici. On compromet les gens qui mettent leur confiance dans les richesses de ta source. C'est eux. On lui dit, ah non, on va t'enlever 10 000. Ah non, il ne faut pas quand même. Mais quand tu sais que ta source dépend d'en haut, la Bible nous dit, si nous restons sur ce thème de la foi-là, dans Romains chapitre 5, si je ne me trompe pas, que Abraham crut espérant contre toute espérance. Romains chapitre 4, merci apôtre. Espérant contre toute espérance. Donc c'est ça la foi. Ce n'est pas le chiffre, comme disait... 5 ou 4, vas-y, continue. Comme disait l'apôtre Alain Patrick, ce n'est pas ce que tu vois. Quand tu vois ça, en fait, tu espères, oh, je suis déjà fini. Vraiment, il faut que quelqu'un vienne m'aider. Non, espère en l'éternel. Espère en l'éternel. C'est la vraie espérance. C'est la vraie espérance. Tu ne peux pas espérer dans les chiffres que ton banquier te met. D'ailleurs, souvent, ils font des erreurs. Moi, je connais des gens qui travaillent en banque, qui me disent que des fois, ils font des virements surnaturels, ils font des virements par erreur dans les comptes des autres personnes, et les autres personnes les bloquent. Peut-être c'est quelqu'un qui avait eu la foi, il y a 10 000 euros qui viennent dans son compte. Alléluia. Donc, non, vraiment... C'est Romains 5, 17, je pense. Ne nous attardons pas sur ce que nous voyons. Ne nous attardons pas sur les faits. La foi ne nie pas les faits. Et j'aime toujours donner cet exemple qu'on avait parlé au Prime, apôtre. Jésus, lorsqu'il va pour ressusciter Lazare, au début, il vole tellement haut. Il dit, allons-y, nous allons le réveiller. Allons le réveiller. Et puis, les gars, ils sont tellement bas. Il dit, il est mort. Je sais qu'il est mort, mais moi, je vais parler là. Je sais que mon compte, pour le moment, il y a des moins, mais j'appelle des millions dans mon compte. Et je veux encourager quelqu'un et lui dire que l'apôtre, quand il nous parle,
vous savez, c'est un motivateur, c'est un coach. Et des fois, on est un peu, c'est pas toujours évident, mais quand il vient, il nous remotive. Moi, je sais que dernièrement, il est passé, on a parlé, il m'a remotivé à reprendre des confessions sur le domaine financier. Et je peux vous assurer que quand tu déclares, l'argent vient. La première semaine où il a eu cette expérience-là avec moi, il m'a dit, non, Gilles, voilà. J'ai déclaré, j'ai eu plus d'offrandes dans mon ministère qu'en 6 ans de ministère. Ah, parce que tu as déclaré. En une semaine. Parce que tu as déclaré. Wow. En une semaine. Mm-hmm. Et ça nous montre également l'importance aussi de suivre les conseils de nos leaders. C'est ça. C'est vraiment ça. Les gens ne comprennent pas, en fait. C'est juste parce que c'est pas leur style de vie. Moi, je me suis efforcé à en faire un style de vie. Un point où, quand je regarde quelque chose, quand je vais dans mes comptes, vous suivez, si je vois une information qui n'est pas compatible avec ma foi, je déclare ce que ma foi dit. Ça devient systématique. Naturel, j'arrive, je regarde, je dis au nom de Jésus, ça s'est rempli. Amen. J'appelle ça. Et ça devient systématique dans tous les domaines. Et j'ai dû travailler ça. Quand à chaque fois je me suis pointé devant le Seigneur, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi je suis à ce niveau? Et le Seigneur me dit, tu n'as pas déclaré. Je dis, oh, mais Seigneur, mais pourtant je l'ai fait. Une fois, le Seigneur m'a dit, il faut que ça devienne un style de vie. Et c'est devenu un style de vie. Et la Bible va dire, en fait, qu'il donne la semence au semeur. Un semeur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de semer. Voilà. Lorsque, autrement dit, là, on parle de la parole, de semer la parole. Il y a le fait d'avoir l'habitude de semer. Et du coup, comme tu as l'habitude, tu auras l'habitude également de récolter. Et j'aimerais lire un passage ici qui personnellement, m'a beaucoup choqué. C'est 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est pour aller dans le sens de ce que le pasteur Gentil disait, il y a différents niveaux. Il y a ceux qui ont besoin de demander pour être sûr qu'ils ont reçu, en fait. Il y a ceux qui ont juste besoin de... qui ont conscience qu'ils ont déjà tout et qui font que se servir, en fait. Par exemple, dans ce passage-là, on dit que si nous demandons quelque chose sur sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà. Amen. Mais à quel moment il t'a donné? Autrement dit, quand tu as l'assurance qu'il t'a écouté, tu sais que tu possèdes. Mais quand tu sais que tu possèdes, tu n'auras plus besoin de demander. Donc maintenant, il y a un autre niveau où tu sais que tu possèdes déjà. Tu ne demandes plus. Tu te sers seulement. Tu te sers. Et comment tu te sers? En appelant. Parce que c'est dans les endroits. En disant, bon, j'appelle ceci. Ouais. J'appelle cela. J'appelle ceci. Et c'est là où tu vas commencer à vivre cette vie où on récolte seulement. En fait. La Bible ne dit-elle pas que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas? Comme si elles étaient. Et quand la Bible parle ainsi, la Bible parle de la dimension terrestre. Amen. Parce que les choses sont déjà dans le monde spirituel. Yes. Mais dans le monde terrestre, il appelle les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Le temps est malheureusement fini. Il commençait à m'inspirer une autre idée. Ah oui, mais non, mais moi aussi, j'ai des idées là. J'ai des idées là. Mais bon, on va préciser ces choses-là au prochain épisode. Gloire à Dieu, cette émission vous a béni. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à nous écrire en commentaire. Posez vos questions. Nous allons prendre le temps de pouvoir répondre et planifier des émissions où nous répondrons certainement à vos questions. Vous pouvez aussi être partenaire de cette chaîne de télé qui vous bénit. Pour être partenaire, envoyez-nous un message au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant. Envoyez-nous un message WhatsApp et nous allons vous dire comment concrètement vous pouvez nous soutenir. L'émission s'appelle Pendule à l'heure. Je vous dis à bientôt au prochain épisode. Nous parlons toujours de l'indépendance financière.